2019. Chers téléspectateurs, bienvenue à notre émission 5 questions, 5 minutes. Aujourd'hui, nous avons comme invité Else Rochette, deuxième sur la liste de One Brussels and SPA. Donc, nous allons essayer de comprendre de près le parti et les projets de, surtout de Else Rochette. Donc, je vous demande de bien nous suivre et de ne pas quitter pendant toute l'émission. Bonjour Madame Else Rochette à notre émission 5 minutes, 5 questions. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour répondre à nos questions. Donc, vous êtes candidate de One Brussels and SPA, deuxième sur la liste. Est-ce qu'on peut connaître un peu de près, Madame Else Rochette? Oui, bien sûr. D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très contente de pouvoir me présenter à vos spectateurs, évidemment. Oui, moi je suis Else Rochette, une femme du terrain, on va dire, à Bruxelles. Ça fait 23 ans que je vis à Bruxelles. J'ai 3 enfants qui sont nés ici, qui ont grandi ici, qui sont actifs dans les clubs de sport, de jeunes, voilà, et qui sont à l'école ici, etc. Et professionnellement, j'étais tout le temps. Je suis assistante sociale de formation. J'ai fait mes études quand j'avais 18 ans. Je suis venue à l'école ici, à Schaerbeek, rue de la Poste, qui est bien connue, je pense. L'école sociale qui est très connue, qui est toujours là, je crois. Tout à fait. Le côté néerlandophone n'est plus là, okay. Entre-temps. Ils ont déménagé, mais moi, c'était mon trajet tous les jours, la gare du Nord. Jusqu'à rue de la Poste. Déjà, en tant que personne de 18 ans, je voyais, ça m'intriguait, cette diversité culturelle que je voyais, que je trouvais magnifique, mais je voyais aussi les rues qui étaient sales ou les appartements qui paraissaient très petits. Moi, à la maison, j'avais un jardin. Ici, je voyais les enfants jouer dans la rue. Et cette inégalité, le fait que pas tous les enfants ont les mêmes chances dès qu'ils sont nés, les mêmes chances que moi j'ai eues, que je trouve j'ai eu beaucoup d'occasions dans ma vie, mes parents, etc. Ben voilà, c'est la raison pourquoi j'ai étudié assistante sociale il y a 25 ans, entre-temps. C'est la raison pourquoi dans tout mon parcours professionnel, maintenant je suis depuis 15 ans directrice d'une maison artistique pour des primo-arrivants, des réfugiés, des demandeurs d'asile, où, encore une fois, je lutte tous les jours pour essayer de donner les mêmes occasions aux primo-arrivants, aux personnes issues d'immigration, de faire partie de la société en tant que civil, comme tout le monde. Et voilà, quand en février, Pascal Smet m'a demandé... Pascal Smet était de liste de One Brussels. Il m'a demandé si je voulais joindre leur nouveau projet, One Brussels. Voilà, j'ai pas longtemps réfléchi, parce que je trouvais que c'était une bonne suite et qu'avec le bagage que j'ai depuis des années maintenant à Bruxelles et l'écoute des centaines et des milliers de personnes que j'ai entendues, leurs grands besoins qu'ils ont dans cette ville, je me suis dit, je vais me lancer et je veux vraiment faire une différence au niveau du Parlement régional, Parlement régional de Bruxelles, pour vraiment continuer avec les mêmes motivations que quand j'avais 18 ans et que j'ai étudié assistant social. Maintenant, c'est voilà, avec un autre bagage, faire de la politique. Donc vous estimez qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment une bonne gouvernance de la région, si je comprends bien. Donc c'est de donner la chance aujourd'hui à tout le monde de pouvoir vivre dans des endroits assez convenables et accessibles. Oui. Et que Bruxelles a ces moyens-là. Oui, tout à fait. Bruxelles a les moyens. On est une des régions les plus riches d'Europe. Bruxelles est très riche. Et du monde. Mais on voit, oui, sûrement du monde. Mais
Donc, c'est vraiment, ça me fâche énormément de voir qu'une personne sur trois vit dans la pauvreté à Bruxelles. Ça, c'est inacceptable. Tous ces enfants, il y a même des enfants dans cette ville qui partent à l'école avec leur boîte à tartines vide. Vous imaginez, c'est quelque chose que je ne veux absolument pas accepter. Les logements qui sont beaucoup trop chers, il y a un manque de logement social énorme dans cette ville. On le sait depuis des décennies qu'il en faut plus. Et c'est vrai que la région, les dernières années, ils ont à ce niveau-là vraiment fait pas du tout assez fait ou rien fait. Donc on peut parler de l'échec du gouvernement régional, entre autres, qui est composé de trois parties, donc CDH, Défi et le Parti Socialiste. Et quelle est votre différence par rapport au Parti Socialiste finalement? Mais je pense qu'il y a eu effectivement sur certaines thématiques dans cette ville vraiment des échecs. La lutte contre la pauvreté, c'était un échec. Maintenant, tout ce qui est mobilité, il y a beaucoup qui a changé et c'est en route. Je suis quelqu'un qui fait aussi du vélo. Vous m'avez vu arriver avec le vélo. Donc, on peut être très content avec plus de pistes cyclables et essayer de faire en sorte que l'air de Bruxelles devient plus saine pour respirer. Donc, je pense à ce niveau-là, il y a eu beaucoup de projets qui ont été réalisés, mais évidemment, ce n'est pas encore terminé. Maintenant, et ça, c'est quelque chose pour quoi One Brussels, le nom, hein, One Brussels, un Bruxelles, unique. Un in Bruxelles, on veut aller vers une région qui est avec une meilleure gouvernance. Et aujourd'hui, on voit avec les 19 communes, 19 bourgmestres, que c'est super compliqué, avec 19 CPAS différents. Donc, on veut aller vers une région un bourgmestre. Comme toutes les grandes villes qui nous entourent, Londres, Paris, Barcelone, c'est possible, plus simple, simplifier tout et en même temps faire en sorte qu'au niveau des quartiers, il y a une présence, une vraie présence. Si on va vers une police pour la région, ça simplifie beaucoup, mais ça donne aussi l'occasion d'avoir une police dans chaque quartier qui est beaucoup plus efficace. Pour intervenir sur le terrain. Voilà. Ouais. Mais la même chose pour le CPAS. C'est pas parce qu'on veut un CPAS que tous les Bruxellois doivent se rendre dans un endroit. Absolument pas. Mais du coup, on va pas devoir. Si on déménage maintenant, parfois deux rues plus loin, il faut tout refaire, toutes les administrations, un nouveau dossier là-bas. Et parfois, il y a même des différences entre les CPAS. Des procédures très longues. Exact. Et ça, alors que les gens, ils ont des besoins imminents, immédiats. Tout à fait, oui, tout à fait. Et c'est important avec One Brussels, on veut vraiment donner une réponse là-dessus. Il y a aussi la question de solidarité. C'est pas normal qu'à Uccle, on paye moins d'impôts qu'à Molenbeek, par exemple. C'est quelque chose qui est aussi inacceptable parce que c'est une commune riche, alors les gens doivent payer moins d'impôts que dans des communes plus pauvres. C'est des choses, il faut une solidarité entre les quartiers, les gens. C'est uniformiser tout ça. En plus d'uniformiser les choses, que ce soit au niveau communal, que ce soit au niveau de la police, au niveau des services d'aide. Oui. Social. Tout à fait. Mais sans perdre les besoins de chaque quartier qui est différent. Hein. Oui. Donc ça, c'est important que là, au niveau des quartiers, on propose de travailler avec plus des districts ou des conseils de citoyens qui peuvent mieux répondre à leurs besoins du quartier. Parce que le quartier du parc Josfat n'est pas le même quartier de Chaussée d'Acht n'est pas le même quartier de Louise. Oui. Chaque quartier a un peu ses spécificités. Oui. Et c'est aussi la richesse de Bruxelles. On ne veut pas que tout soit... Absolument pas. On veut garder ces différences. Exact. Ça, c'est super enrichissant. Oui.
On peut parler de la jeunesse alors dans ce cas-là. Que pensez-vous de la jeunesse à Bruxelles? Qu'est-ce que je pense de la jeunesse? Ils sont magnifiques. J'ai trois jeunes à la maison, hein, de 21 ans, 18 et 12 ans. Aussi la diversité dans leur classe, dans leur club de basket, dans leur club de jeunes, c'est super. Et je vois qu'il y a beaucoup de gens, de jeunes qui sont encore exclus d'une vie commune, de partager le sport avec des autres et tout ça. C'est super important qu'on fait en sorte que chaque enfant a déjà l'occasion d'aller à la crèche, même si les parents sont peut-être au chômage. C'est pas grave, ils ont aussi besoin d'un temps libre pour pouvoir trouver un travail, pour pouvoir trouver ou suivre des formations. Donc, augmenter les crèches et faire en sorte que chaque enfant a minimum quelques jours par semaine l'occasion d'aller à une crèche et qui est aussi gratuit pendant un jour ou pendant selon les revenus des parents. Puis il y a l'école. Il faut que la qualité de l'école à Bruxelles augmente énormément, qu'il y a d'abord une place pour chaque enfant dans l'école où ils veulent. Et One Brussels veut bien aussi organiser des écoles bilingues où le français et le néerlandais soient enseignés d'une même façon. On est une ville bilingue, on voit que beaucoup de jeunes au chômage, ils ne trouvent pas de travail parce qu'ils ne sont pas bilingues. Donc le bilinguisme peut aussi résoudre ça, peut rendre l'accès au travail beaucoup plus facile. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on veut mettre en œuvre, plus d'écoles et d'enseignements de qualité. Et puis faire en sorte que, je vois aussi des jeunes, certains jeunes n'ont pas accès à des projets qui existent, mais c'est parce que souvent ils ont des meilleures idées et ils sont créatifs et ils ont leurs propres idées qu'ils ont envie d'explorer et de mettre en œuvre. Donc là, au niveau plus culturel, je dirais, c'est important de soutenir les jeunes et de faire en sorte qu'ils puissent monter des projets qu'eux, ils ont inventés et qu'ils ont envie de faire. C'est eux qui connaissent mieux le besoin dans leur quartier. Mais à Bruxelles, on a énormément d'échecs, on va dire, au niveau scolaire et échecs au niveau du marché du travail. Donc il y a beaucoup de jeunes issus de Bruxelles, qui n'arrivent pas à trouver du travail à Bruxelles. Je veux dire, peut-être que un des problèmes peut être le bilinguisme, la langue, certes, mais à côté de ça, il y a un problème aussi de spécialisation, de connaissance du métier qui manque. Alors qu'à côté, on a des organismes comme l'Actéris qui s'occupent de certaines formations, qui donnent des chèques formation, et malgré ça, il y a des échecs. Comment on peut expliquer ça? Oui, il y a déjà le chômage des jeunes a baissé les dernières années, ce qui est bien, mais pas du tout encore assez. Donc, comment on peut expliquer ça? Je n'ai pas encore toutes les réponses à tout, parce que je suis aussi nouveau dans ce projet et tout ça. Mais c'est aussi une question d'accepter. Accessibilité, d'un côté, il faut que l'information arrive chez tout le monde. Je vois aussi beaucoup de jeunes qui sont aussi un peu fatigués, qui disent « ouais, mais j'ai déjà fait une formation et ça fonctionne quand même pas. » On ne trouve pas de travail. Est-ce un problème de formation finalement? Ou bien est-ce un problème de place vacante et qu'il n'y a pas de travail dans cette formation? Dans ces domaines-là. Oui, ça peut être une des raisons. Parce que c'est un déséquilibre, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de postes vacants où on ne trouve pas, et il y a beaucoup de chômeurs. Donc, il y a quelque part là, c'est très important de trouver le link, un lien entre les deux et faire en sorte que ces formations puissent être données sur le lieu de travail. Et il y a des projets qui existent comme ça et qui fonctionnent bien aussi au sein d'Actéris, mais certes, il faut plus d'efforts là-dessus.
On voit aussi qu'il y a toujours une discrimination encore sur le marché du travail par qui rapport. Peut être une des raisons également. Oui, et là-dessus, on propose vraiment de faire aussi des tests. Les employeurs qui discriminent, qui préfèrent prendre des personnes en dehors de Bruxelles parce qu'ils ont, par exemple, la nationalité. Non, la nationalité, oui, beaucoup de. Une origine belge, on va dire. Ça, c'est inacceptable. Il faut les sortir. Allez, il faut trouver ça et être plus répressif par rapport à eux. Ça, c'est inadmissible que les jeunes ne trouvent pas de travail suite à leur origine. Ça, c'est quelque chose d'inacceptable, oui. Donc, on dirait qu'il y a beaucoup de problèmes de discrimination, finalement, à Bruxelles. Oui, oui. Certainement, sur le marché du travail, aussi sur le marché des logements, certainement. Je ne dis pas que c'est. Allez, je ne connais pas les chiffres, mais on l'entend. Bon, moi aussi, sur le terrain, avec les personnes qui je travaille, on l'entend tout le temps, oui, oui. Point de vue mobilité. Oui. Brièvement, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais que c'est un domaine qui. On peut parler des heures et des heures. Oui. Mais, qu'est-ce que vous en pensez de, par exemple, donc de l'interdiction des voitures diesel aujourd'hui, Euro 3 qui est terminé, on passe à Euro 4. Oui. C'est une bonne chose de finalement obliger les gens à vendre leur véhicule. C'est plutôt la question. Mm-hmm. C'est une décision très dure hein, pour beaucoup de gens. Ça, je comprends très bien. Mais là, la priorité, c'est aussi la santé de tout le monde, de tous les Bruxellois, de nos enfants. Si j'entends le nombre d'enfants qui souffrent d'asthme, je connais des personnes qui ont déménagé en dehors de Bruxelles parce qu'ils ne savaient plus respirer. Certaines gens sont très sensibles pour ça. On a une ville dense. En plus, beaucoup de voitures, on doit savoir aussi, les Bruxellois eux-mêmes n'ont pas énormément de voitures, c'est aussi beaucoup de. Qui oui, de pendlers, comment on dit encore en français, les personnes qui travaillent ici, qui viennent. On veut pouvoir faire en sorte que les rues sont de nouveau pour les gens qui habitent ici, pour les enfants, pour jouer dehors. Pour les vélos, on se déplace plus vite en vélo, en transport en commun. Certes, le transport en commun, ça a beaucoup évolué aussi. Les dernières années, il y a beaucoup plus de voyageurs qu'avant et une ligne de tram en plus qui va vers Jette. Il y avait aussi des projets SWAT. Il y a un projet, par exemple, là-dessus. Je suis d'accord quand on diminue le nombre de voitures. Mais à côté, on doit développer donc tout ce qui est transport en commun. Tout à fait. Donc, oui. Pour permettre aux gens de pouvoir arriver où ils souhaitent arriver oui. facilement oui. aussi. Pas passer des obstacles oui. aussi dans ce sens. Mais quand on regarde, il y a des projets, par exemple, d'apporter le métro à Askarvik. Mm-hmm. C'est un projet qu'on parle depuis des années et qu'il n'y a rien qui bouge. Mm-hmm. Et ça aussi, c'est un handicap pour certaines personnes. Sont obligés d'utiliser leur véhicule pour oui. se rendre, je veux dire, à leur travail ou aux écoles mm-hmm. ou à autre lieu parce qu'il n'y a pas d'accès de transport en commun. Oui. Non, tout à fait, ça je comprends. Je ne sais pas où ça en est avec le projet ici. Je sais que, ça c'est une des raisons aussi pour One Brussels. Il y a des projets parfois pour des métros ou par exemple pour des pistes cyclables autour du ring. Le projet est un projet de la région, de ministre Pascal Smet, mais ça arrive que des bourgmestres des communes où le piste cyclable passe ne sont pas d'accord. Et ils commencent à procéder et ça ralentit. Et on a vu ça avec des trams aussi déjà. Donc l'exemple de Skarbek, je dois dire, je vais me renseigner parce que c'est. Mais c'est certainement important que tout le monde puisse se déplacer et je pense aux personnes âgées ou peut-être de mobilité réduite. Oui, oui. Mais le but est aussi, s'il y a moins de voitures en ville, qu'eux, ils ont
une facilité plus, allez, oui. plus facilité d'aller en ville, peut-être avec leur voiture, avec des exceptions ou des cartes. Donc, c'est inévitable, il faut oui. développer le transport en commun. Oui, tout à fait. Où les gens, finalement, pas d'une manière répressive, je dirais, entre guillemets, de ne pas rentrer ou venir avec leur voiture à Bruxelles, mais par facilité d'utiliser les transports en commun que d'utiliser leur véhicule. Ça peut être une des solutions, oui. il me semble, que de dire « vendez votre voiture oui. », sinon on vous donne des amendes. Donc c'est assez répressif oui. dans l'engagement. Tout à fait, ça je comprends. Il y a des systèmes de partage de voiture. Oui. Moi-même, j'ai un abonnement comme ça, j'ai Cambio. C'est très facile. Et il y a une voiture pas loin de chez moi. Quand j'ai besoin, je peux facilement l'utiliser. Et voilà, je l'utilise que quand j'ai besoin. Je ne dois pas payer le parking, je ne dois pas chercher de parking, etc. Donc, c'est une voiture, je ne sais pas avec combien on est d'utiliser. Mais c'est quelque chose qu'on doit. Il y a un budget qui joue aussi, je crois, dans certains cas, comme le Combio. C'est un budget qui n'est pas très accessible à tout le monde. Mais je peux vous assurer qu'avoir une voiture coûte beaucoup plus cher qu'un abonnement Cambio. Ça je, oui. oui, oui, oui. J'ai vendu ma voiture il y a 5 ans. Depuis, j'ai pu épargner. Oui, oui, une voiture, ça coûte beaucoup. Il y a les taxes, oui. l'entretien, etc. On ne doit pas le dire. Évidemment, il y a la question des voitures de société. Et là-dessus, il faudrait aussi faire en sorte que les sociétés trouvent des autres moyens aussi de payer leurs employés, que ce n'est pas par une voiture que... Ça doit passer tout. Voilà. Et la ville, pour tous les gens qui viennent de Wallonie, de Flandre, travailler ici, on va construire des parkings en dehors de la ville, près des arrêts de métro. Et les gens vont voir, ils gagnent beaucoup de temps, ils ont beaucoup moins de stress, étant les embouteillages pendant une demi-heure pour avancer quelques kilomètres, c'est pas un temps de qualité. Oui. ça donne le stress avant d'arriver au travail. Et donc voilà, il y a vraiment des alternatives, mais je pense qu'il y a encore un travail à faire de sensibiliser les gens ou d'expliquer aux gens, voilà, c'est pas très compliqué et votre qualité de vie de tous les jours, elle va vraiment augmenter. Mais il y a de l'investissement à faire encore. Donc, on est qu'au début pour ça. Donc, il faut développer tous ces réseaux. Et oui, il y a encore beaucoup à faire. Il y a énormément qui a été fait vraiment les 5 dernières années. On commence à voir maintenant oui. parce que c'est ça le problème. Beaucoup de projets ont commencé il y a 5 ans et puis ralenti à cause d'un bourgmestre là-bas oui. ou une procédure là-bas. Et donc beaucoup de communes vous freinent en fait dans tout ça. Oui, oui. Pour être honnête, oui. C'est beaucoup de communes. Parce qu'à chaque fois je vois oui. les communes qui ressortent, donc je me dis est-ce que oui. c'est vraiment oui. des problèmes de communes. C'est souvent des communes qui freinent, oui, oui. Donc ça pourrait être beaucoup plus efficace et aller plus vite et alors les gens vont voir les résultats beaucoup plus vite aussi de tous ces changements dans la ville. Et je pense que tout le monde aime bien sortir dehors, enfin les enfants ils jouent dans la rue même s'il y a des voitures qui oui. roulent, mais c'est beaucoup mieux s'il n'y a pas de voiture ou un des jardin, zones 30 mais aussi un jardin, kilomètres. Oui, un jardin ou des parcs dans le coin. Je crois qu'il y a la mobilité, mais il y a aussi le logement qui est une priorité. Exact, tout à fait. Donc, Bruxelles commence à être une ville vieille au niveau des logements, des habitats. Donc il faut un renouvellement avec des nouvelles constructions, des rénovations. Oui, oui. Parce qu'on parle toujours du problème de l'environnement pour des causes de X, Y, Z. Mais on ne parle jamais du problème de pollution à cause des mauvais états des immeubles. Ah, tout à fait. Donc oui. Ça aussi, je crois oui. qu'il y a une certaine priorité là-dessus. Oui, oui. Des primes là-dessus. Et là, il y a des communes qui appliquent, oui. il y a des communes qui n'appliquent pas. Oui. Donc il y a encore beaucoup à faire. Tout à fait. Mais ça, c'est aussi quelque chose qui est dans notre programme avec One Brussels. C'est
faire en sorte que l'isolation des maisons soit augmentée et meilleure. Et pas que pour les nouvelles constructions, mais comme vous dites, rénover tous ces bâtiments en mauvais état. Oui, ou aussi certaines familles vivent dans des conditions vraiment lamentables, avec beaucoup d'enfants, parfois sur une petite surface, avec de l'humidité. C'est inacceptable. Encore, comme j'ai dit, on est une ville riche, il faut qu'on... Ces moyens sont là, et voilà, mais il ne faut pas les jeter à mille administrations différentes qui ne sont peut-être pas toujours efficaces. Donc vous êtes persuadé qu'il y a moyen d'arriver plus simplement à tout ça, sans compliquer, et en uniformisant, je dirais, le système de gouvernance de la ville. Oui, oui, tout à fait. Au lieu de compliquer avec autant de communes, et autant d'échevins ou autres, oui, qui à un moment donné peuvent être des obstacles, tout à fait, à des engagements de la région. Oui. C'est un peu le résumé que j'ai fait, oui, de tout ça. C'est un bon résumé, oui. Non, tout à fait, pour mieux et plus efficacement aller travailler pour un bon enseignement pour les jeunes, pour la lutte contre la pauvreté dans cette ville, oui. Et dans votre domaine, vous avez des projets, il me semble, dans tout ce qui est art, culture et... Oui, art, je vous laisse culture. La parole là-dessus. Oui, on a dans cette ville une diversité culturelle incroyable. Hein. Il y a 184 nationalités différentes. Oui, voilà, toutes les nationalités. C'est génial, avec encore beaucoup plus de langues, des religions différentes, des cultures, des traditions. Ce qui me manque parfois dans ce que je vois dans le secteur subventionné des projets, enfin, je trouve que c'est pas assez visible. Toutes ces, oui, la musique, la peinture, tout l'art de ces... pas assez subventionné. C'est pas assez visible. Ça pourrait être soutenu pour rendre ça plus visible, mais subventionné aussi. Je trouve qu'il faut retrouver de nouveau un équilibre entre des nouvelles organisations, des ASBL qui sont moins connues, et aussi leur donner un soutien pour pouvoir jouer sur... Oui. Oui, parce que je vois aussi, oui, également aussi bien la musique, même si y a des communes qui organisent des événements annuels, et même au niveau régional aussi, c'est pas suffisant, il me semble. Oui. Et même l'aide pour pouvoir... organiser ce genre d'événement reste assez bas, pour l'assumer. Oui, 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 c'est important qu'il y ait un soutien extra, et c'est souvent, il s'agit aussi des autres façons de faire ou d'organiser, ou de peut-être des projets artistiques qui sont moins familiers pour le secteur qui est maintenant subventionné, mais c'est ça la richesse, et c'est seulement dans la rencontre qu'on peut s'enrichir tous. Donc voilà, pour moi, c'est très important d'essayer de travailler là-dessus. Voilà. Ben, on arrive à la fin de l'émission. Donc, oui. Je vous remercie d'avoir répondu à toutes mes questions. Ben, est-ce que vous avez un dernier message à vos électeurs du 26 mai? Pour le scrutin du 26 mai 2019. Dernier message. Je me dis que ce serait très bien de bien vous informer sur tous les partis, sur tout le monde. C'est ça, c'est important. C'est super qu'on vit dans une démocratie, que chaque citoyen a le droit, pas chaque citoyen, malheureusement, les personnes avec la nationalité belge. Ils ont le droit de décider qui va les représenter. Donc, moi, j'aimerais très bien le faire, évidemment,
Parce que, comme je dis, moi, je ne serai pas au pouvoir, mais ce serait un devoir de représenter les idées et les besoins et les soucis des gens sur le terrain dans le Parlement. Et voilà, bon, on est aussi au début du Ramadan, donc je me dis, le 26 mai, ça tombe encore dans le Ramadan aussi. Je sais que pour beaucoup de gens, c'est aussi une période de spirituelle. Oui, où j'ai déjà quelques soirées iftar sur mon agenda pour aller à la rencontre. Et bon, les personnes dans mon entourage, il y a beaucoup de personnes qui font le Ramadan. Je leur souhaite un très bon mois. Oui. Je vous remercie. Et je vous dis aussi bonne chance. Ah, c'est gentil. C'est gentil. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, nous avons fini de questionner Mme Else Rochette à propos de ses projets, surtout le projet de son parti. Donc, je vous donne rendez-vous la prochaine fois avec d'autres candidats. Merci et au revoir. Televisionunuz. Élection mai 2019.